told me I'm your anchor. I told you you're my bow. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's shaking for my own. Sympa. Sympa l'anniversaire de Charlotte. On reviendra. Franchement, on reviendra. Vous êtes trop méchant avec moi. Joyeux anniversaire. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. For our failures, we have grown. Salut les bandits. Salut à tous. On va se retrouver dans, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, on va parler travaux. Hein, encore et encore. Comme vous avez vu, les copains, ça y est, sont partis, tout ça, on s'est remis au boulot. Et là, faut déjà aller faire les courses. Et c'est galère. C'est clair. C'est galère. Faut qu'on aille rechercher les petits panneaux comme ça, petits panneaux en... C'est du plastique. On a plastique alvéolé. Parce qu'en fait, c'est pas évident. Il y en a 4, il y en a 5. 1, 2, et j'ai mis le... J'en ai mis un autre au milieu. Bah, il est où? Il est là-bas. Bah non, c'est bizarre. Non, il voilà, est il est là, regarde. Ouais. Si, si, c'est bon. Regardez, en fait, ça va être comme ça. Hop, vous voyez là-bas? Ah, on voit pas bien. Non, on voit rien du tout. J'en ai un cinquième qui vient au milieu, qui aura une poignée qui sera au milieu. Mais comme je l'ai mal découpé, et regardez, il y a trop de jeu. Donc celui-là, il coulisse pas. Donc bah, ça m'énerve. Donc faut que je le change. De toute façon, vous voyez, il passe de droite à gauche. Dans le rail de droite à gauche, et c'est galère. Donc il y aura une poignée au milieu, deux poignées de chaque côté. Et celui-là, en fait, il coulissera de droite à gauche. Et ça fait des grandes ouvertures, c'est ça qui est pratique. Mais il faut qu'on aille rechercher, il faut qu'on aille rechercher des rails. Et j'espère que je vais réussir à en trouver en 2 mètres. Parce que là, je me suis bien pris la tête avec des rails d'un mètre. Et en plus, là-bas, c'est pas fini, ils en avaient plus au magasin. En espérant qu'ils aient encore des plaques. Ouais, donc là, on va dans un autre magasin, surrangé. Ça va être bien galère. Et, un verre en forme de maison. Ouais, ouais, c'est ça. Et regardez ce que Jeff et Pascal ils nous ont offert. On l'a monté, ça y est, regardez les copains. Voyage, rêver et explorer. Ça nous ressemble, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Donc on va faire tout ça, puis là on va y aller en express. Ouais. Hein, on va pas vous faire supporter la route, les courses, les enfants et tout, c'est bon. Donc on va faire ça avec Charlotte, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, voilà. C'était long. Et le pire, là on vient de faire un aller-retour et tout. Il n'y avait pas ce qu'il fallait. Ah on ouais, a pété un câble, il n'y avait rien, sûrement parce que c'était les vacances, les entreprises n'ont pas pu livrer. Mais quand on vous dit rien, on est parti avec de la cordelette et. Et ça. On est dégoûté. On n'a pas trouvé un gros panneau. Des petites plaques. C'était des panneaux d'un mètre par deux mètres. Donc pour info, c'est du polypropylène, pour ceux qui nous demandaient. Du polypropylène en 5 mm ouais. En noir. Et au final, il n'y avait pas, du coup, on a dû prendre les petites, donc ça nous est revenu beaucoup plus cher. Donc au lieu d'avoir des portes longues comme ça, ben, on aura des toutes petites portes. Ouais, il va falloir que je me débrouille avec ça. Là, ça ne va pas être pratique du tout. Franchement, moi, ça me gave. Ces portes-là, moi, les meubles, ils sont en train de me gaver. Surtout dans une grande enseigne, on a fait 2 heures de route aller-retour avec les petits. Les deux petits, ils ont été infects. Ah, ils ont été infernaux. Du coup, ça nous a saoulés et on est reparti, mais quasiment avec rien. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais au magasin et j'ai trouvé une idée. Parce qu'en fait, on a un problème avec les boutons. Si je mets les boutons de porte sur nos portes, on ne peut pas les ouvrir à fond parce que derrière, il y a la butée qui va gêner. Donc j'ai trouvé des petites aérations rondes où tu peux mettre ta main dedans. C'est des aérations que tu encastres. Et elles arriveraient quasiment au ras des portes. Et pourquoi tu ne pouvais pas acheter les mêmes... Ce qui fait... Bah parce que c'est beaucoup plus cher. Là, j'ai payé 5 euros les 4 aérations. Ah, ça va faire les 4 boutons. Pas forcément. C'est vilain, non? C'est vilain. Oh non, mais moi je trouve pas d'idée pour ça, c'est chiant, j'en ai marre, je vais mettre des portes. Hein. Franchement, les trucs coulissants, c'est chiant parce que si vous coulissez pas tout, vous pouvez pas aller à certains endroits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va. Mais non, ça risque pas de faire dégueulasse. L'avantage de ces petits boutons,
Donc ils vont faire une genre de ventilation. J'ai dit tiens, ça va servir de ventilation. Trop bien. Ça va faire aérer les meubles. Ça va aérer les assiettes. Il y en a de l'idée là-dedans. C'est trop génial. Ben, il faut qu'il y ait de l'aération. Ouais. Et je me dis, ces petits boutons, comme ils vont pas beaucoup dépasser, eh ben, on pourra peut-être faire coulisser tous les meubles sans que ça gêne. Qui nous permettra, mettons, de pousser toutes les portes d'un côté ou toutes les portes de l'autre pour accéder. Parce que là, à chaque fois, tu as des butées. C'est vrai. Voilà, et j'ai trouvé des U. Du double U, il y en avait encore. Bah, il m'a dit vendredi prochain. Ah, bah non, bah, il y en avait encore. Je suis désolé. Ça, c'est encore un truc de fou. Ça. Donc là, j'ai commencé à coller ceux qui sont en bas. C'est pas les mêmes. La même forme que ceux que j'ai collés là-haut. Ça me prend la tête. Ils me font rager, ces meubles. Pourtant, ça paraît con. Mais c'est pas évident. Faire des toutes petites portes, on voulait que ce soit léger. Si on veut faire un truc plus ou moins fini, faut faire vraiment des petits meubles, vous savez, en contreplaqué avec colin formica, tout ça, ce formica. Enfin. Ou alors mettre du gros mélaminé tout lourd. Et je voulais pas. Donc ça, c'est très bien. C'est ultra léger parce que c'est en hauteur. C'est costaud. Hein. Par contre, j'ai le problème, c'est que je vais pas réussir à rentrer les meubles ici. Hein. Les portes. Parce que là-bas, j'ai une entrée. Pas là. Bon, on va les tordre comme on a fait dans la salle de bain. Ah, ça se tord pas. Ah non, non, c'est tellement. Ça se tord pas parce qu'elles sont tellement petites que tu n'arrives pas à les tordre. Tu les feras un petit peu plus courtes comme j'ai fait dans la salle pas. De bain. Ça peut pas, salle de bain, elles sont grandes, t'as de la. Mais tu m'appelleras, je te le ferai. Bon, ok, c'est noté, c'est noté. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour Charlotte, elle va monter les meubles, elle va nous faire voir comment on fait. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, non, non, c'est ça. Oh là là, bon. Tout compte fait, je mets les petits boutons comme ça. Ouais, j'ai les petits boutons comme ça, tout compte fait. Ouais, je trouve que ça va faire plus joli quand même. Donc j'ai coupé les petites vis, là je vais faire mes petits trous dans les portes. Et j'espère en venir à bout de ces portes, parce que là franchement, ça commence à me prendre la tête sérieusement. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'un jour je vais les refaire. Je vais tout refaire. Ça me plaît pas. Ou alors faut vraiment, je sais pas, les finitions, on a galéré à trouver des cornières aussi. Alors... Je sais pas, ouais, ça me plaît pas. Ou alors vraiment quand je vais essayer de bien le finir, ça se trouve je vais m'habituer, mais là. Ah, j'arrive pas à m'habituer. Pourtant je trouve le système vachement pratique, regardez. C'est assez costaud et tout, franchement c'est bien quoi. Regardez, on va loin, on a des grandes ouvertures, on n'est pas embêté avec les charnières au plafond. Mais je sais pas. Puis c'est vrai que le mur il est pas droit, donc les meubles, du coup, ils ont suivi un petit peu. Enfin. Ah, c'est. Franchement, c'est chiant. Donc voilà, je vous montre. J'ai mis déjà un petit bouton ici, vous voyez? Hop! La butée, je perds environ 5 cm, mais c'est pas bien grave. Ensuite, je vais venir en mettre une ici. Et là, j'étais au téléphone. J'étais au téléphone avec un bandit qui m'a proposé de me fabriquer la table. Ça faisait déjà peut-être 2 semaines qu'il m'avait proposé, et puis les messages ont été noyés. Un truc de fou dans les messages, on s'est envoyé ça sur Insta. Et sur Instagram, et Charlotte, elle a mis peut-être 20 minutes tout à l'heure à retrouver son message qui était noyé dans les autres messages. Du coup, on a repris contact, il a répondu super vite et tout. Voilà. Donc en fait, sa particularité à ce monsieur, c'est qu'il fait des tables en résine époxy. Donc il travaille surtout avec du massif. Il a des grandes, il récupère des grandes planches de massif. Il vient couler de la résine de différentes couleurs. Il peut faire toutes les formes. Et ben, plein de couleurs, plein de décors différents. Et en fait, ben voilà, ça fait des tables qui sont super chouettes et qui sont uniques. Et c'est pas courant. Et du coup, moi, je lui ai dit, ben voilà, nous, on a une contrainte, c'est pas comme d'une maison, il faut que ce soit assez léger, résistant. Et il faut qu'elle soit en 4 morceaux, en 5 morceaux. Regardez. Je peux même pas rentrer chez moi. Il va nous falloir une planche centrale qui va être fixe, on est d'accord, et ici on aura 4 plateaux qui seront montés sur charnière. C'est-à-dire que quand les plateaux, comme dans un voilier en fait, quand les plateaux sont rabattus, ça nous fait un guéridon central de 20 cm à peu près. Et quand on a envie de s'asseoir et de manger, on peut rabattre les 4 plateaux indépendamment. Ce qui est bien, c'est que les 2 plateaux d'ici pourront être rabattus et on pourra accéder librement sur les canapés. Une fois qu'il y a des personnes qui sont ici, ils rabattent les plateaux et après, en gros, ils ne peuvent plus sortir. Ouais, mais il n'y a pas le choix. Tu rabattes un seul panneau, quoi. Voilà. Il n'y a pas le choix parce que si tu fais 2 grands panneaux, une fois que ce panneau-là, il est rabattu, il est en mode table, et tu ne peux pas accéder. C'est moche. Tu ne peux pas accéder. Donc, c'est une table qui va faire 1,94 m par 91 de large. Donc, ça va être une grande table avec des bords arrondis, avec un effet bois clair, plutôt beige,
un effet bois, comme si ça sera du bois. Tu auras l'impression que c'est du bois, tu sais, comme le revêtement qu'on a sur les meubles. Mais c'est même pas concerté que ça. Ah bah non, je t'ai appelé plusieurs fois, t'étais pas là, t'étais en train de faire tes mugs. Eh bah voilà. Donc voilà. Et peut-être qu'il va essayer de faire des effets gouttes d'eau en fait. Voilà. Tu auras l'impression que le bois il est mouillé. Non, j'ai pris très clair, pas gris, parce qu'on est déjà sur les teintes gris, j'ai pris plutôt beige, blanc cassé. J'ai pris blanc cassé pour qu'elle soit claire, parce que comme elle est grosse, si tu prends foncé, ça va faire trop foncé. Voilà, il va essayer de faire ça avec des gouttes d'eau. Et il est de Sanary, il est à côté de Toulon. Ben, on va faire un envoi, c'est pas grave. Et je vous en reparlerai voilà, plus longuement quand on recevra la table et tout. Et là, ce que je pourrais vous faire dans la description, pire, c'est vous mettre son lien de sa page Facebook. Voilà. Donc et c'est vraiment quelque chose d'original et ça fait vraiment super plaisir de travailler ensemble parce que c'est, bah, c'est quelqu'un qui est tout seul, c'est une petite entreprise. Il est en train de se lancer là-dedans dans la fabrication de tables époxy. Avant il était ambulancier et bah, il aimait plus et là il fait vraiment quelque chose qu'il aime. Et faire de la pub pour des entreprises qui ont changé de métier pour faire des choses qu'ils aiment, c'est magnifique. Je crois qu'il fait pas que des tables. Ça, non, il fait plein de trucs, c'est pour ça, il fait des meubles, il a fait des meubles de salle de bain, il fait énormément de trucs. Allez jeter un œil sur sa page Facebook, je vous ai mis en description, et je pense que ça risquerait d'être sympa et ça pourrait vous intéresser. Et on verra le résultat final quand on va recevoir la table. Pareil, petit challenge pour lui, parce qu'elle est en 4 morceaux, en 5 morceaux, et il faut qu'il nous envoie assez rapidement pour qu'on ait pour la Dréal. Mais il a dit que ça allait le faire et tout. Ah oui, ouais, bah oui, il a dit que ça allait le faire, donc ouais. Affaire à suivre, il fait ça en contreplaqué de 27 mm, j'ai dit pas de massif, hein, parce que le massif ça va être trop lourd, et puis après résiné pour que ce soit le plus léger possible. D'accord. Donc elle aura quand même un certain poids, mais il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire un truc de 300 grammes et que ce soit costaud. Voilà, affaire à suivre. Bon allez, je vous montre. Regardez, comme ça ce qu'on va voir, ouais, ça devrait être pas mal. Voilà, comme ça, hop, tac. Donc vous voyez ce qui est bien ici. C'est que là, j'arrive en butée. Et ici à ici, c'est tout libre. Voilà, je peux faire comme ça. Là, c'est en position fermée. Là, j'ouvre ici. Et j'ai tout l'accès à ce meuble-là. Hop, je referme. Maintenant, je vais vous faire voir de l'autre côté. J'ai mis mes petites poignées. Ici, c'est en mode fermé. Tac. Là, c'est en mode fermé ici. Voilà, et il me reste juste deux petites portes à faire où j'aurai deux petits boutons ici, bah parce que j'avais pas la place, donc deux petits boutons ici qui vont rentrer. On verra tout ça demain, là il a l'air déjà de manger, ben, c'est encore une journée pas très productive, mais bon, il fallait le faire quoi. Et je pense que là demain je finis mes meubles et mercredi je vais vraiment commander, faire les plans de la table et je vais commencer les structures. Je pense qu'en une journée ça va être fait, hein. Ça va me faire du bien un petit peu de souder, de travailler un peu l'acier, les tubes, j'aime bien. Donc voilà, le bois c'est pas trop mon truc. Hein. C'est plaisant à faire le bois, mais j'aime bien aussi souder, faire le porte-vélo, le porte-moto, enfin je fasse ça aussi. Encore un petit peu de boulot, il y a encore un petit peu de boulot, hein, je vous le dis. Une serviette. Charlotte est en train de faire à manger encore. Comme d'habitude. Elle fait des nouilles, c'est qui le patron? C'est ça la marque. Un peu comme le jus de pomme ici qu'on va goûter, parce que ce soir on a du monde à manger. On sera pas resté seul longtemps. Regardez qui c'est qui est là. Ce petit loustique, et ils sont là-bas, vous avez vu? La Fun Family, ça y est, sont rentrés, après un périple de plus de 40 000 km en 15 jours. 2500 km, je crois, en 15 jours. Ils ont été jusque dans le Portugal, ils sont revenus. J'en ai l'impression qu'ils sont partis hier. Ça a été vraiment super vite. Hein, maintenant, c'est fini les vacances, retour à la réalité. Hein, la vie, c'est l'école. Voilà. Regardez, ça y est, c'est officiel, les portes des meubles hauts sont finies. Attention. Démonstration. Donc, ici, j'ai deux petites portes, deux petites portelettes qu'on appelle. Je les ferme, hop, voilà. Et ça fait propre. Si je veux aller ici, je peux aller chercher des affaires dans mes meubles. Si j'ai besoin d'aller chercher plus loin, je peux pousser les deux en même temps. Magique. Au passage, une petite bouteille de rouge. C'est qui le patron? Voilà, ce vin rémunère au juste prix son producteur. Voilà, on n'en a pas parlé, et ben je vous en parle. C'est un petit colis qu'on a reçu d'un bandit, d'une entreprise sûrement, et on va tester. Bon, le vin, on ne sait pas ce qu'on va en faire parce qu'on ne boit pas, donc on aura bien l'occasion d'ouvrir cette bouteille, et les gens nous diront ce qu'ils en pensent. En tout cas, ce soir, on va manger les nouilles, déjà. Franchement, c'est chouette. Si vous pouvez nous envoyer encore plein de colis comme et ça, des, on est OK. Et des œufs de Xavier et Sophie. Ah oui, les œufs du jardin.
On aime bien dire ça, des œufs du jardin, des gens qui sont venus nous chercher la caravane, ils nous ont ramené des œufs. Et on mange tout ça. Et regardez, l'oustique, il est là. On est gâtés. Les bandits. Alors, t'as pas trop roulé, non? Ouais, juste un petit peu. Hein. Ouais, juste 2500 bornes, quoi. Ouais, juste 2500. Bon, et ben nous, on vous laisse. On fait quoi, du coup? On mange ce soir, on fête l'anniversaire de Charlotte ou pas? Parce que moi, j'ai hâte de lui donner son cadeau. C'est quand, toi? C'était le 22. Ah, c'était le 22, vous l'avez pas fêté? Donc on va fêter ton anniversaire. Ouais, mais on n'a pas de cadeau pour toi. Tu nous l'as pas dit. Bah si, on est là. Ouais. Alors on fait l'anniversaire de Charlotte ce soir ou pas? Ouais. Vas-y. Non. On va trop bien. La 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 la. Je suis impatient de te donner ton cadeau aussi. Ah ouais, vous repartez quand? Demain. Ah bah non, il repart demain. On est obligé de faire ça ce soir. Ce soir. Oh là là. Attention, l'avion décolle. Ouais, vous entendez, c'est la machine à laver. Un jour, je vais la démonter. Parce qu'on a un réparateur qui est venu, mais je suis sûr que c'est pas normal qu'elle vibre comme ça. Ah ouais, ça me démange hein, d'aller ouvrir derrière pour voir ce qu'il y a. Je suis sûr qu'il y a un déséquilibre au niveau du tambour. Il n'est pas équilibré, c'est toujours la même vibration. Tout le temps, exactement la même vibration. Vous voyez? Tout le temps, même à vide. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin bref, on verra ça plus tard. Bon, je vais aller chercher ma ferraille tout à l'heure. Là, j'ai collé mes rails pour faire mes portes, donc j'attends que ça sèche. Et là, je suis en train de faire des plans parce que je vais chercher ma ferraille tout à l'heure pour faire mes supports de table. Donc, la table va se présenter comment? Déjà, le plateau... Enfin, c'est un peu chiant, ça. Déjà, le plateau, il va être comme ça. Ah, vous avez vu comment ça bouge? C'est de dingue. Le plateau, il va être comme ça. Ok? Le plateau central sera fixe, sera tenu par deux poteaux qui vont descendre à l'intérieur du couloir. Pas le côté sol, le côté couloir en dessous. Donc, j'aurai deux platines de 30 cm sur 30 cm qui vont être vissées dans le couloir, à l'intérieur, côté inférieur. Ok? Là-dessus va être soudé deux carrés de 10 cm de haut. Ensuite, je viendrai emboîter deux autres carrés dedans, qui seront un peu plus petits pour qu'ils viennent s'emboîter dedans. Paf! Et donc, on aura juste deux découpes carrées sur le sol. Les poteaux viennent s'emboîter dedans. On a ensuite deux platines qui font 20 cm sur 40 cm pour avoir une emprise assez importante. Sur ces deux platines, viendra se fixer le plateau central qui sera fixe. Ok? Sur ce plateau fixe, il y aura quatre plateaux, deux à droite, deux à gauche, montés chacun sur deux charnières. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur mes poteaux, je vais avoir des équerres que je vais fabriquer en petits carrés, des équerres super costauds, qui viendront se déplier pour pouvoir... donc le plateau se lève, ensuite on fait ça avec l'équerre, et le plateau viendra supporter... Et, comment dire? Et l'équerre viendra supporter le poids du plateau. La contrainte, c'est que j'ai envie d'essayer un truc pour que ce soit joli. Déjà, c'est que mes équerres, quand je les replie, elles viendront à l'intérieur des poteaux. Et quand on rabat les plateaux, ça fait vraiment, ça fera genre un guéridon, il sera en un seul morceau. Vous voyez, il n'y aura pas une surépaisseur d'équerre qui viendra nous embêter. J'ai juste un petit problème, c'est que comme il y a quatre plateaux, quand je vais lever mon plateau, mon équerre va se retrouver pile poil au milieu. J'ai fait exprès. Donc je me dis, est-ce que je vais avoir assez de rigidité? Normalement, les plateaux que le monsieur est en train de me faire, c'est du contreplaqué de 27 avec 2 cm de fibre d'époxy. Donc je pense qu'il y aura de la rigidité. Après, j'ai envie de dire, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Il y aura les deux équerres, donc je pense que ça devrait le faire. Hein. Je vais faire venir l'équerre, il y aura deux charnières, et l'équerre va être assez costaud, elle viendra assez loin, mais il ne faut pas qu'elle nous gêne aussi quand on vient s'installer sous la table, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura aussi un petit système de verrouillage pour bloquer l'équerre, parce que si jamais on avance, on va sous la table, et puis qu'on avance trop vite, et qu'on est là, on bouge l'équerre avec notre jambe, mais là il y a le plateau qui tombe, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura un petit système de loquet. Voilà, donc au final c'est un système assez simple, et sur le plateau, sur les platines du haut, il y aura aussi des carrés qui seront soudés de 10 cm, là où viendra s'emboîter le poteau. Donc après je mettrai peut-être un boulon et un écrou. Donc en fait tout ça sera entièrement démontable. C'est sûr, pour l'instant ça sera pas démontable, comment dire, ça sera pas rapidement démontable, mais pour faire des systèmes rapides, c'est pas évident. Et moi je veux que ce soit surtout costaud. Je veux pas que la table, vous voyez, qu'elle brinque-balle. Non, moi je veux un truc vraiment costaud, je peux poser mon PC, ça sent la solidité, quoi.
On verra par la suite. Le principe des quatre plateaux, c'est qu'on peut vraiment les baisser quand on veut, ou pas les baisser du tout, ou à la fois. Et c'est assez pratique, et surtout pour venir accéder au niveau des banquettes, ceux qui seront au fond, ils pourront bien accéder au niveau des banquettes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on essaye, je vais fabriquer tout ça, et on verra bien. Voilà, donc je vous laisse, et puis on se retrouve tout à l'heure avec toute la ferraille découpée. J'ai fait toutes mes cotes, et au final, j'ai pas grand-chose. Il me manque juste les tubes à commander, enfin il me manque juste les tubes à marquer pour faire les équerres. Je vais prendre du tube de... Vous savez, un petit tube de 20 avec une. Je vais faire une petite jambe de force et puis là-dessus je viendrai visser mes charnières parce qu'il faut des charnières aussi de chaque côté au niveau des équerres pour que ce soit costaud aussi. Et bien voilà, cette journée se termine. Tu te fais belle. C'est l'anniversaire de Charlotte. Merci à tous pour vos messages. Hein. Franchement, vous avez été adorables. Oh là là. Plein, c'est un truc de ouf. Je ne compte même pas parce que ça n'a pas arrêté. Déjà, je me suis levée ce matin, j'ai mis une story sur Instagram. Et là, je me suis dit, oh là, c'est quoi tout ça? C'est qu'il y en a des bandits, ça commence à... Les bandits commencent à être de plus en plus nombreux, ouais. Hein, aussi. Franchement, donc vous êtes trop chou, vraiment, merci beaucoup, ça me touche vraiment du fond du cœur. Et moi, c'est demain, Ousmane. Ouais, donc à mon avis, ça va winner aussi les portables. Vous vous rendez compte, il est 5h30 et j'ai plus de batterie déjà, je suis déjà en train de recharger mon téléphone. Donc, vous avez vu, on s'est bien cassé la tête pour la table, on pense avoir trouvé... On a été chercher toute la ferraille, tout l'acier, les tubes, on a tout découpé. Et voilà, je vous présenterai vraiment tout ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, il y a du soudage, il y a pas mal de bricoles à faire. Donc, je vais vous faire une vidéo entièrement consacrée sur la table, en fait. Voilà, c'est le pack d'eau qui est tombé sur les tubes. Donc, voilà, sur ce. Et bien, sur ce, on vous laisse. On vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à samedi pour la fabrication de la table, dimanche pour le live. On vous embrasse, suivez-nous sur Instagram et Facebook. On vous embrasse fort et à bientôt. Merci à tous pour vos messages, surtout c'était vraiment gentil. Allez, bisous.